Entrez. Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'entretien du BTS CPI. Je m'appelle Alexandre Alves. Oui. Assieds-toi. Merci. Bon, Alexandre, voyons, tu habites, tu habites à Ustaritz, c'est ça? Oui, j'habite à Ustaritz. Tu habites à Ustaritz, ok. Je vois tes parents, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ma mère est agent hospitalière et mon père, il est menuisier. D'accord. Et ta mère et ton père est menuisier? Ouais. C'est ça. Ils sont dans la région? Oui. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Là, je suis en bac pro EDPI. Ouais, t'es en bac ici. Pro EDPI chez nous. Hein. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène à choisir ce BTS, CPI? Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas, moi. J'ai une idée. C'est surtout pour approfondir mes connaissances dans le domaine du dessin industriel, de la conception. Ouais. Et pourquoi, pourquoi en alternance? Mais j'aime bien voir le métier, enfin voir vraiment le métier. Être vraiment dans une entreprise qui pourrait m'apprendre comment ça se passe. Et... D'accord. Voilà. Et tu vas être... donc si tu prends l'apprentissage, tu vas avoir quel statut au niveau... Ici actuellement tu as un bac pro, tu as un statut de lycéen. Et là qu'est-ce que tu auras comme statut? Un statut d'apprenti. D'apprenti, mmh. Oui. Mais tu es un apprenti, d'accord. Mmh. Mais c'est un apprenti comment? Tu dépends du lycée ou tu dépendras de l'entreprise? Je dépendrai de l'entreprise, eh surtout. Oui. Bon, Alexandre, tu as une idée de ton entreprise? Oui. Ouais. Chez qui tu... Chez Chariton à Asparin. Ah oui, très bien, oui, ça c'est une bonne entreprise. D'accord. Bon, écoute, pour moi c'est favorable, ton acceptation, et tu recevras un courrier officiel du CFAI. D'accord. Voilà, qui validera notre entretien et ton accord à rentrer en BTS. Voilà. Merci. Allez, beaucoup. À bientôt. Et à bientôt. Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui donc nous allons travailler en collaboration avec vos camarades de Bac Pro EDPI à un projet qui s'appelle Course en cours. La course en cours, c'est une compétition que vont mener plusieurs établissements et qui concerne... Oui, entrez. Bonjour, excusez-moi pour mon retard. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous venons de débuter le cours avec vos camarades et j'étais en train de leur parler en fait du projet que vous allez mener en première année de BTS CPI qui concerne le projet Course en cours que mène le lycée depuis plusieurs années. Il s'agit d'une compétition de voitures entre plusieurs établissements dont l'objectif est d'aller le plus vite possible. D'accord ? Toutes les équipes auront la même voiture. La seule chose qui changera, c'est la forme de la voiture. C'est pourquoi nous avons été mandatés pour travailler sur un projet de soufflerie afin d'étudier le comportement de la voiture dans son parcours. Nous allons donc travailler sur un projet qui s'appelle la soufflerie qui permet de visualiser l'air qui va s'écouler sur le véhicule et qui malheureusement, donc ça s'appelle la traînée, qui va malheureusement derrière freiner la voiture et ça va donc aider les concepteurs à trouver des formes optimales pour que la voiture pénètre le plus facilement et le plus rapidement dans l'air. D'accord ? Bon, donc nous avons fait le bilan de la soufflerie. Vous m'avez fait donc des propositions de solutions. Vous avez retenu la meilleure solution. On vient de faire le dispatching du travail ensemble. Donc maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de partir sur les postes informatiques et de commencer à faire la modélisation CAO, partie par partie, chacun travaillant en binôme avec un autre. Donc vous allez vous lever et maintenant on va passer à la partie pratique. Vous allez commencer à travailler sur Katia, sur la modélisation de la soufflerie. D'accord ? Si vous avez des questions, aucune ? Allez, on peut y aller. Allez, installez-vous. Chacun sait ce qu'il doit faire. D'accord ? Donc n'oubliez pas que... chaque groupe aura une interaction sur l'autre groupe, donc il faudra faire attention à ne pas faire n'importe quoi, à discuter avec
les collègues pour que tout s'agence correctement. Donc, ceux qui doivent faire la CAO commencent à travailler sur la CAO. Ceux qui travaillent sur le dimensionnement, Antione, tu commences à calculer les divers éléments dont on avait parlé. Les maquetteurs, alors, qu'est-ce que vous avez sur, sur la maquette? Vous avez pu récupérer ce qu'on fait. Faut qu'on trouve un ventilo. La maquette, oui. La CAO, avec un potentiomètre. Ah, le potentiomètre aussi. Allez, c'est parti. Donc, au niveau du dimensionnement, ben, vous appliquez. On va faire après les mises en plan de chaque partie. Attention à la cotation. Ok, très bien. C'est parti. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Hein. D'accord ? Monsieur ? Oui ? Vous savez que je pourrais trouver... Les potentiomètres. Alors, tu vas faire des recherches déjà sur Internet dans un premier temps. Vous avez déjà... Ouais, voilà, tu vas là. Ok, donc tu ouvres. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le potentiomètre? Ce serait quoi? Un potentiomètre simple, non, il me semble, hein? Qu'on demanderait au professeur d'électrotechnique. Donc déjà, tu fais une première recherche. Tu sélectionnes ceux qui te paraissent les plus intéressants. D'accord, et puis après on ira voir le professeur d'électrotechnique et qui nous donnera, qui nous conseillera sur le meilleur potentiomètre à utiliser. Ok. Le BTS-CPI, donc conception de produits industriels, a pour vocation aux jeunes de concevoir des systèmes à partir d'un besoin réel. Et donc il doit en fait aimer la mécanique, aimer la technique, être curieux, et essayer en fait d'assouvir, s'il en a une passion, au travers de différents systèmes que l'on va étudier ici au lycée Saint-Joseph. Je trouve très bien ce BTS et plus tard j'aimerais continuer les études par une licence ou une école d'ingénieur. Et toi Cindy? Mais comme tu as dit, ce BTS il ouvre plusieurs portes, donc pourquoi pas rentrer dans la vie active. Ah voilà, ouais. Ouais, ça vient de... Ouais, voilà. Ouais. Non, après c'est nickel. Ouais, c'est stylé, là. C'est une décision.